veut dire que Mathéo t'a dit les termes. Hein. Tu l'as pris par le callback. Hein? Salut everybody, tout le monde, c'est Mathéo de la Taverne du Ride. On se retrouve aujourd'hui pour faire une intro avant que Louis arrive. On va aller tourner une nouvelle vidéo. Bon, vous êtes au courant, je crois que ça se voit. Donc voilà, on va aller faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du skate encore. On va peut-être changer de parc. Je sais pas si on va aller avec toi. On va peut-être aller dans un autre parc. Ça changera un peu. Donc voilà, c'est l'intro la plus rapide que j'ai pu faire. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, très important, vous abonner, liker la vidéo. Donc, avec les Protec, ça donne des gros trucs comme ça. Il prend tout jusqu'à la méole. Les tensions, les chaussettes bananes, évidemment. Obligé, sinon on n'y est pas. Et donc voilà, dernière étape fait. Mili Protec, à prendre le skate qu'on a monté le dernier coup. Et on est parti. Yo, bah voilà, on a retrouvé Louis. On est actuellement au feu rouge en train d'attendre. Attends, on pourrait croire que c'est toi qui conduis alors que c'est moi là. On est simplement juste au feu rouge en train d'attendre tranquillement. Louis. Ce feu de la mort qui tue. Beau gosse. Bah, voilà. Ah, au passage, profitez-en, n'oubliez pas, on est au feu. Vous me follow sur Instagram, mon Instagram qui s'affiche là, l'Instagram de Louis qui s'affiche là si jamais il veut c'est bien se mettre. Ah, c'est pas sévère, bisous! Voilà, c'est les plans les, que vous aimez le plus. C'est le moment où Louis s'éclate sur le montage. Par exemple, Louis. J'écoute. Est-ce que tu pourrais. Et tu vas me détester sur celui-là. Ok. Ici, hop là, il y a une bouteille de cristalline qui en apparaît et hop, elle décolle comme une fusée. Ah, voilà. Éclate-toi bien, Louis, du montage. D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé la dernière vidéo pendant qu'on va se faire strike par la musique de du supermarché. J'espère que vous l'avez aimé la dernière vidéo parce qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore vos retours vu qu'on filme en avance. On est prévoyants et des adultes. Du coup, voilà, on espère que vous avez laissé assez de likes et que d'ici ici, on aura ouvert notre TikTok. Si on a ouvert notre TikTok s'affiche là et il est en train de choisir un truc dégueulasse. Moi je te conseille, on prend les comme ça, les simples efficaces. Vas-y. Bon, on n'est pas sponsor, du coup on monte pas. Hein. J'ai code. On aimerait bien être sponsor Monster, envoyez-nous de la thune. C'est bon, on est arrivé au skatepark. Du coup, on va vous filmer sa vie de faire ensemble parce qu'il est quand même stylé avec la nouvelle peinture. Ils l'ont complètement vidé, c'est-à-dire qu'à l'avant il y avait quelques modules en plus, mais là il y en a vraiment plus beaucoup. Ça, vous allez voir. Ça fait bizarre parce que là il y avait un hip, là-bas il y avait un rail, là-bas il y avait un spine, bon, qui était dégueulasse et prêt à moisir, mais au moins il y était. Et il y a Curb qui est toujours là et le U. Et voici la nouvelle peinture du U, moi je trouve qu'elle claque. Voilà, on va juste boire un coup, on va partir, on va faire un peu de flat. Du coup on a une belle un bel espace et ensuite c'est... Hein? Ça y est, c'est dans le trailer à tous les coups. Alors monsieur Pernès, petit bilan de cette petite séance d'échauffement. Je suis nul en skate, mais ça compte pas rester. Dans un an, je vous le dis, dans un an, je sais caler le kickflip assez facilement. Si j'ai le temps de faire assez de skate, parce que je voudrais être très clair, je veux tout mettre sur la planche à voile. Si je peux faire à partir de demain, je peux faire que des sessions planche à voile, je ferai que des sessions planche à voile. Je n'oublie pas le skate, parce qu'en plus, il y a un projet de skatepark qui va arriver, mais je vous en dis pas plus parce que pour l'instant on est au courant de rien. Mais... Voilà. Et on va continuer à skater encore un peu, mais là, je suis mauvais. Enfin, vraiment que je bosse, mais basique. Y a un mec qui est dans le U depuis tout à l'heure. En trotte, il envoie des R. Ben pour info, le U il fait près de 2,50 de haut. C'est... Il doit faire entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut, donc c'est sympa. Le mec, depuis tout à l'heure, il envoie des 2,7R, des méga double whip en sortie, mais incroyable. Et moi, après, je vais essayer juste de tourner dedans en frontside et en backside, ça va être incroyable. C'est bon, il va pas m'humilier, il va sur notre skatepark, on va pouvoir aller faire de la rampe, maintenant aussi. On va dire que Mathéo t'a dit les termes, hein. Tu l'as pris par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Ouais, je lui ai dit le skatepark, il est là-bas. Ça, c'est pas pour les débutants. To the hidden leaf. Oups.
frérot, elles ont décollé là. Suite au rush d'avant, je viens de caler mon premier vrai air où les quatre roues ont décollé. Ça y est, ils ont décollé de ça. Mais ça, c'est déjà beaucoup. C'est la phrase que t'es capable de dire, toi. Actuellement, je ne m'en remets pas. J'arrive même pas à parler. Allez, on passe en mode gros rush, le Bob et Ming. On va essayer de filmer un max de trucs. On va, on se donne à fond et on fait des jolis trucs. Tiens, Louis, la caméra. Voilà, c'est là-dessus qu'on conclut cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas, vraiment, c'est gratuit, n'oubliez pas. On s'abonne, on met le j'aime, on clique sur la cloche parce que toutes les vidéos vont sortir le lundi à 18h30, comme celle-ci. On n'oublie pas de mettre un commentaire si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé, ou si un truc qu'on devrait faire, ou même des tips pour faire mieux du skateboard. On s'en fout. Mettez ce que vous voulez, il faut juste plein de commentaires, comme ça on est content et on se dit que notre travail il a servi à quelque chose. Donc voilà, c'était Mathéo de la Taverne du Ride avec Louis derrière le téléphone. Je suis éclaté, j'arrive plus à parler. On se voit lundi prochain pour une nouvelle vidéo en espérant que celle-là vous a plu. À la semaine prochaine. Ce genre de backstage. Hé, j'ai le tournis, je t'emmerde.